Marie-Paul Tano, je suis d'origine ivoirienne, je réside à Londres et je suis créatrice de bijoux, donc de la marque Rocus. J'ai commencé par faire des études en Sciences Po en Angleterre, donc j'étais dans une université anglaise. Et de là, bizarrement, j'ai fait un stage dans une agence de mannequins, donc de Sciences Po à l'agence de mannequins. Et j'ai toujours adoré tout ce qui était accessoires, vêtements. Mais je pense l'accessoire plus qu'autre chose parce que je trouve que c'est quelque chose qui habille vraiment votre tenue en fait. Et ça m'est venu comme ça. J'ai commencé à acheter des pièces pour moi, pour mes amis. Et je pense que c'est de là que m'est venue cette passion en fait. En fait, ce qui s'est passé, je suis partie en Afrique. J'ai travaillé au Nigeria pendant 2 ans. Et je me promenais dans les marchés, je communiquais avec les artisans. Et j'ai toujours aimé ce travail fait main la passion que les gens avaient de faire ces pièces en fait. Et je pense que ça m'est venu comme ça. J'ai demandé à un artisan du Niger de me faire une boucle d'oreille, une paire de boucles d'oreille. Et tout de suite, en fait, je suis tombée amoureuse du processus de création, de dessiner et que ça se transforme d'un dessin et qu'on arrive sur une pièce qu'on puisse porter, en fait. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Je suis rentrée à Londres et je me suis inscrite à St. Joseph St. Martin's. C'est une grande université qui est connue pour tout ce qui est mode et tout ce qui est créatif. Donc on a des couturiers comme Alexander McQueen qui est sorti de St. Martin's et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours. Rocus en fait, comment je peux l'expliquer, c'est que quand j'ai fini mes cours de bijouterie, j'ai cherché un emploi en fait dans le métier et j'ai pas vraiment trouvé de marque qui me donnait envie vraiment de travailler dans le métier. Tout le monde à l'époque faisait des petites pièces, tout ce qui était tout menu, tout petit. Et en fait, pour moi, le bijou, ça doit se voir de loin. Ça doit vraiment raucous, raw. Et en fait, raucous, en anglais, ça veut dire faire du bruit. Ça veut dire se faire voir de loin, enfin, presque déranger les autres. Et en fait, c'est comme ça que la marque est partie. Je voulais faire vraiment du bijou qui ait de la présence en lui-même. Je m'inspire de tout ce qui est art. Tout ce qui est art ancien, art nouveau, les traditions, la culture, les différentes cultures africaines, des objets que j'ai vus dans mon enfance. Je sais que ma mère elle-même portait toujours beaucoup de bijoux, donc je la voyais souvent sortir avec une grosse fourrure rose, avec un pagne en dessous, et elle avait ses bijoux qu'elle portait, qu'elle achetait soit en Belgique, soit du pays. Donc elle faisait des mélanges un peu de tout. Et je pense en fait qu'inconsciemment, c'est aussi d'elle que m'est venu cet amour pour le bijou. Je pense que quand je crée un bijou, en général, j'ai en tête la personne qui va le porter. Soit j'aurais pu voir une personne dans la rue, une femme, et trouver quelque chose qu'elle ait porté, qui soit super beau, qui soit... Et en fait, c'est le vibe de la personne. J'aime les personnes qui s'expriment dans ce qu'elles portent. J'aime les... Pour moi, la femme rocus, c'est une femme qui est assez sûre d'elle, qui n'a pas peur de ce que les autres pensent et qui pense qu'elle a envie de porter comme vous. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui ait confiance en elle et qui s'exprime quel que soit ce que les autres pensent, en fait. Et quand je crée un bijou, je pense à cette personne-là. Comment est-ce qu'elle peut s'exprimer avec le bijou? Comment est-ce que ça peut compléter et représenter sa personnalité, en fait? Donc, je pense à ça et des fois, je pense à moi. C'est Emmanuelle Courrèges, qui est la créatrice de la plateforme Lago 54, qui m'a invitée à participer à ce salon. Who's Next, donc il vient de se finir. Ça comprenait, bon, le stand de Lago 54 comprenait 24 créateurs d'origine africaine ou qui sont inspirés par l'Afrique, dont Imana Issi, avec qui j'ai fait une collaboration récemment, des boucles d'oreilles en forme de carte d'Afrique. Et donc avec Emmanuel, on a commencé à travailler il y a à peu près un an. Et c'est comme ça qu'en fait que ça a permis à la marque de grandir sur le continent européen, sur la France surtout, et j'espère sur l'Afrique aussi.